Car c'est Squeaks et bienvenue dans ce 12e épisode de mon Let's Play de Let's Be Happy, épisode 12, c'est ça, je viens de le dire. Et alors dans le précédent, eh bien c'était un peu comme le 10e, c'était un peu, j'étais un peu bloqué là-dessus et j'ai enfin compris comment faire. En fait, l'auteur ne dit pas tout. Une fois qu'on a le mutatron, on peut faire plein de mutations d'abeilles et il se trouve qu'il y en a vraiment beaucoup d'intéressantes. Alors faut chercher pour trouver les abeilles qui nous permettent de produire ça. Et en fait, il y avait une petite aide qui se trouvait dans Industrial Factory, qui se trouvait exactement ici, où il nous dit les Nobles et les Majestics, ça va nous permettre d'avoir les Industrious. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Unwary qu'on a fait tout à l'heure, qui nous permettent donc d'avoir des... Parce que là, les Dripping Cons, ça prend quand même pas mal de temps. Les Unwary de tout à l'heure, eh bien, en les combinant avec les Diligent, on obtient des Industrial. Et grâce à ces Industrial, on peut encore les combiner avec une autre abeille pour obtenir... Enfin, les Industrious, je veux dire, donc celle-ci. Et on peut encore les combiner, vous voyez, avec une autre abeille. Donc si je prends Unwary, une Diligent Princess et un Unwary Drone. Hop, on va aller là-dedans. Alors, je dois bien avoir ça quelque part. Donc l'Unwary, j'ai un Unwary Drone, parfait. Et une Diligent Princess et on va pouvoir faire la mutation. Mais voilà, ça nous aide pas vraiment. Là, c'est plutôt débrouille-toi et trouve par toi-même. Bon, pourquoi pas, mais bon, j'étais vraiment bloqué à cause de ça. Alors, j'ai des gros lags hein, quand j'arrive par ici. C'est vraiment chiant. Alors, hop. On va mettre notre drone ici et la princesse ici. Et on va mettre le labouaire ici. Et on va lancer la production de l'Industrious Queen. Ça va aller très vite. Le mutagène a presque fini de se remplir au maximum. En fait, ça se finit jamais puisque je fais d'autres expériences en même temps. Et parfait, j'ai mon Industrious Queen qui clignote de toutes parts, qui est magnifique. Et donc, on va se lancer là-dessus. Du coup, pour avoir la fameuse centrifugeuse, on avait dit il nous faut du bronze. Et bah, elle est là la quête. Et ils nous disent il faut du copper et du tin. Pour cela, il nous faut tout simplement les abeilles qui permettent de produire du copper et du tin. Eh bien, pour ça, ça va pas être très compliqué. Ça, il va nous falloir les abeilles. Je ne sais même plus comment ça s'appelle parce que j'ai pas encore les noms en tête. C'est normal, il y a tellement d'abeilles, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc, c'est les copper nuggets, c'est ça. Et on les obtient avec les Cuprum. Les Cuprum, on les fait avec une Industrious Princess et une Meadows. Et un Meadows Drone. Qu'est-ce que ça produit, ça, Industrious Princess? J'ai bien envie de voir. Peut-être que ça produit rien. C'est juste utilisé pour le Mutatron. Icy, Agrarian. Donc c'est vraiment le point de départ en fait pour ça. Ah ouais, on peut avoir le jet d'Industrious aussi, c'est vrai que ça serait pas mal d'essayer ça. DNA Extractor, j'ai pas ça encore. Ah, si, ok. Donc ça produit des Stringy, du Pollen Cluster, donc c'est pas très intéressant tout seul. Du coup, on va aller la combiner avec une Meadows Queen. Donc, une Meadows Drone, je veux dire. Donc faut pas non plus jeter tous les drones, hein. Ça sert aussi pour les mutations. Faut pas non plus se faire avoir parce que je pense qu'on peut rapidement se faire... Enfin, se retrouver bloqué là-dedans si on fait n'importe quoi dans ce modpack. Je vais la lancer dans une ruche. J'ai pas vraiment besoin de production non plus derrière. 144 drones celle-là, mais elle tourne à plein régime, c'est un truc de malade. Plusieurs stacks dedans de drones, enfin là... Là, c'est ma source gratuite de miel. Ici, j'ai la bovine aussi qui produit à l'infini, elle aussi. Enfin, produit tous à l'infini. Les commons aussi, j'en ai un paquet. Là, j'ai un deuxième forest. Je pourrais peut-être bien mettre une autre ruche en série. Là, j'ai les Meadows aussi que je produis ici. Les Meadows encore une fois, donc là je vais peut-être virer toute cette formidable mécanique et je vais mettre mon Industrious Queen ici.
Alors, par contre, lui, elle ne fonctionne pas la nuit. Donc, on va dormir. Un petit peu. Va aussi falloir se faire à manger parce que ça commence à devenir galère. Voilà. Hop, 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 hop. Donc là, c'est vraiment tout est basé sur la mutation à ce moment-là. Et du gameplay, tout se base là-dessus pour créer les bonnes abeilles et tout. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile, facile. Ça c'est bon. Ah oui, là j'ai une Genetic Template, donc pour avoir les bovines, ça c'est assez gratuit, c'est assez sympathique. Ici, dans ma nouvelle ruche, j'ai maintenant celle-ci qui produit assez lentement d'ailleurs. Ici j'en ai 27, je suis près des 32, je suis pas très loin. Ok. Alors maintenant, regardons les quêtes parce que là on s'est un peu éparpillé. Donc on a celle-ci, c'est sûr à faire, qui nous parle bien sûr des Industrious. Donc en fait, peut-être que moi, en prenant une Industrious Queen, j'anticipe peut-être un peu. Peut-être que justement, je suis obligé de faire cette quête-là. Nobel Cultivated, et comme ça, on a des Majestic. Nobel et Cultivated, j'ai une Nobel qui produit. Ouais, donc je pense en fait que je suis bloqué à cause de ça. Pour remplir les Mulden, il veut les Eldritch, et pour les Eldritch, il faut quelque chose d'assez spécial. Les Sinister, bon, on a vu, c'était assez compliqué. On va voir comment faire les Eldritch. Les Eldritch Bees, alors, comment on fait ça? Alors, il nous faut une Atun, Mystical et Cultivated Drone pour avoir les Eldritch. Comment on fait Mystical? Mystical. Il va falloir que j'en fasse des Mystical puisque j'en ai plus. Mystical. C'est laquelle? Non, c'est pas celle-ci. Il faut Monastic et Noble. Alors peut-être qu'on me les a donnés, les Mystical, finalement. C'est ce que je pense aussi. C'est ce que j'étais aussi dessus tout à l'heure. À mon avis, on me les a donnés. J'ai dû utiliser toutes les princesses. J'ai fait exploser l'espèce cette fois-là. J'ai un peu fait le con là-dessus parce que vous voyez, j'ai un Mystical Drone, mais c'est tout. J'ai rien d'autre. Rien d'autre là-dessus. Et pourtant, je suis obligé d'avoir une princesse Mystical. Ici, on a 30. Je suis presque à 32. Presque. Ici, ça continue à produire à la vitesse de l'éclair. Alors, ici, il faut un climate control. Donc tout ça, j'ai besoin de la fameuse centrifugeuse. Donc j'attends de produire du copper. Et donc pour cela, il me faut ces fameuses abeilles. Donc il faut de toute façon que j'attende pour cette quête que ça me produise ça. 31, allez, on y est presque, ça va être bon là les 32. Ensuite je regarde un peu les autres trucs. Donc color, white, tony, donc, tout ça pareil, les on et drop, de toute façon il faut la centrifugeuse, donc pas besoin d'essayer de faire quelque chose. Clay, donc là pareil, ça va être niveau centrifugeuse, j'imagine. Quoique la clay, je peux la produire. J'en ai, il me semble, de la clay. Il me semble que je vais pouvoir la produire avec les machines que je possède. Il y a aussi une machine que je voulais faire ici tout de suite. Alors la clay, non, pourquoi je cherche là-dedans la clay ici? Alors je peux en faire avec deux slags, la dirt et water bucket. Je peux aussi en faire la centrifugeuse. Il me semblait qu'il y avait une autre façon de l'avoir. Et apparemment non. Alors qu'est-ce que c'est ça, le slag? C'est un dépôt quoi qu'on obtient. Ah si, apparemment c'est dans le four. Quand on fait chauffer des trucs, on peut avoir ça. Et il me semblait que j'avais de la clé, ou alors c'est lui qui me l'a donné, hein. Ça doit être ce dieu tout puissant qui me donne les quêtes qu'il lui a donné. Ah voilà, 33. Parfait, nickel. Alors, on va attendre que le bug disparaisse. Là, je tourne à 3 FPS, c'est assez horrible.
on va reprendre le pain qui se trouve. On va peut-être faire une tarte à la citrouille, il me semble que c'est compliqué. Ça va être trop compliqué pour nous. Puisque je vais pas avoir les objets qu'il faut. Faire mes graines de citrouille. Non. Ah, summer squash with radish, donc ça je peux pas le faire de toute façon. Avec Chisel on peut faire différentes têtes, ça peut être marrant. Ok, alors la tarte à la citrouille, la pumpkin pie. On va voir ça tout de suite. Alors la pumpkin pie, il nous faut du sucre, donc du sucre, j'ai ce qu'il faut, j'ai la canne à sucre et un œuf par contre. Il me faut de l'épourine. Ah, mais ça je peux le faire. Oula. Special requirements between March 29 and April. Non. Donc pour attendre, je suis obligé d'attendre entre le 15 avril et le 29 mai. Mars. Et 29 mars. D'accord. Donc je pense que je vais la produire, hein, celle-là, la Midos et la Forest. Parce que ça pourra toujours me servir. Les œufs. Alors la Midos. Elle est là, la Midos Princess. Je la prends quand même, puisque de toute façon, j'ai des ruches qui tournent à la Midos et à la Princess, ici, ici. Enfin, à la Midos Princess, et bien sûr, ici. J'ai une source infinie de drones, je peux pas les remettre dedans. Ouais, ils sont là, donc on va passer tout ça, tout ce petit monde au Mutatron. Hop, hop, mais j'ai l'impression que je vais pas pouvoir avoir deux. Donc ça se trouve au moment où il faudra avoir des œufs. Ah non, c'est ça, hein, ça marche que... Ah, c'est dommage. C'est bien dommage. Ils sont les œufs là. Donc les porines. Ouais, c'est ça, ça marche que entre le 20. Ouais, donc j'imagine qu'on nous les donnera ceux-là. Bon bah tant pis. Tant pis, j'aurais essayé au moins. On va revenir ici. Qu'est-ce que je cherche déjà? Ah oui, la quête on va la faire. Je voulais faire une tarte à la citrouille, mais à la base je voulais manger du pain. Hop, hop, on va manger nos dernières ressources en termes de pain. J'en ferai entre le prochain épisode, enfin entre cet épisode et le prochain épisode. Et on va aller voir cette fameuse quête tout de suite. Voilà, nickel. It's a quiz. Alors, maintenant vous pouvez faire les Imperial et Industrious. Get some of the products. Un premier va te avoir very good. Ouais, j'imagine. Royal Jelly. Oh. Comment on obtient ça? Ok. Donc je sais ce que c'est, hein. Ça s'appelle la gelée royale. C'est la nourriture de la reine. Donc on va faire. Alors j'en ai déjà une Imperial. Elle est où? Je sais même plus où je l'ai mise. J'en ai déjà une. Ah bah elle est là. Industrious, elle est là, Industrious, et on va pouvoir faire des Imperial Queen. Donc, déjà je récupère ma reward du précédent, qui est là, voilà. Choisir donc les Nobles ou les Majestic. Les Nobles, je les ai déjà. Je prends ça. Donc, les Imperial. Comment ça fonctionne, celle-là? Les Imperial Queen. Comment on fait ça? Imperial Queen, on met les Majestic, la Noble Princess et le Majestic, d'accord. Cependant, j'en ai qu'une Noble Princess. Et qu'est-ce que ça va me produire? J'espère que ça va me produire des choses assez intéressantes. Non, c'était pas ça. Ah, ok, ça permet donc de faire les autres crafts. Je vais donc mettre ça là. Alors, avec la Bovine Queen, non, avec la Industrious, je vais essayer de la combiner pour faire la fameuse
La fameuse abeille qui va me permettre d'avoir du cuivre, hein, je suis quand même dessus depuis tout à l'heure. Alors Ney marche super bien pour le coup ici. Impossible de me souvenir du nom par contre pour l'instant. Alors la cuprum. Pour ça il faut l'Amidose et Industrious Princess. Mais l'Industrious Princess. Ok, il me faut ça. Industrious. Donc il faut que j'aille chercher une Midose. Hop, Midos Drone. Hop. Alors, je vais attendre que celle-ci arrive peut-être. Ah oui, d'accord, elle est juste en breeding pour l'instant. C'est pas tout de suite, puis en plus, la nuit, elle peut... bien sûr, elle fait plus rien du tout. Faut peut-être en fait que je prenne, pour faire ce genre de conversion, pour obtenir la princesse, faut que je désactive et faut que je fasse une ruche sans le système de renouvellement automatique pour avoir la princesse. C'est comme ça que ça va fonctionner, uniquement comme ça. Là, j'ai aussi du truc là. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir utiliser mes fameuses... Non, c'est pas ça que je vais mettre. Ça. Alors, je réfléchissais à ça parce que... Oui, je cherchais comment obtenir une princesse, mais je sais, je suis un peu... J'ai un peu perdu le fil du truc, hein, je vous avoue. Et du coup, c'est bon, ça revient. Alors, attendez, les Provenant Frame... Est-ce que j'ai pas eu des Impregnated Frame? Ça, je pense que c'est encore mieux. Ouais, forcément, hop. Par contre, j'ai plein de trucs... je vais mettre ça là. Là, mon coffre commence à être plein. Bon, c'est surtout à cause de ça. Tac. Donc on va prendre celle-ci et on va mettre dedans les Provenant Frames. Je cherchais donc comment obtenir une princesse et j'avais vraiment oublié avec le système automatique comment ça fonctionnait. Et donc là on va attendre que ça fonctionne. Alors celle-là elle est déjà presque plus beaucoup de vie, on voit ça. On va dormir. Et on va se quitter bientôt pour un prochain épisode hein, déjà puisque on a atteint les 20 minutes d'épisode comme d'habitude. Donc, comment ça progresse, ça bien sûr, hein, c'est pas aussi rapide que les trucs automatiques. Donc, on va attendre tout simplement que ça fonctionne tranquillement. Apparemment, ça a l'air bien. Apparemment, ça a l'air d'aller. On voit pas d'abeilles qui sort, mais ça a l'air d'aller pour l'instant. À mon avis, ça va prendre pas mal de temps. Ensuite... Alors, il voulait des impériales, donc on va produire des impériales. Alors, vu qu'on a vraiment besoin de machines, je vais peut-être produire une deuxième Industrious, parce qu'il y a peut-être plusieurs recettes pour les faire. J'arrive pas à... Indis... Non, c'est pas ça le nom, comment ça s'appelle? C'est Industrious. Voilà, elle est là. Alors, il y a des items assez sympathiques. Donc, comment on fait ça? Il faut une Diligent Princess and Wary Drone. Et il n'y a pas d'autre façon de le faire. Ok, et donc comment on fait les fameuses impériales de tout à l'heure? Puisqu'on nous a donné ce qu'il fallait pour faire ça de toute façon. Il me faut une Imperial Queen et un Imperial Drone. Non. Il me faut une Noble Princess et un Majestic Drone. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, il va falloir que je... Donc voilà, ça produit un truc, donc ça fonctionne. Il va falloir que je réserve certaines ruches. Il va falloir que j'organise un peu le bordel. Ici, je pense que ça va être ici. Ça va être la ruche à... La ruche à transfert, enfin qui va me permettre d'obtenir à partir d'une reine qui va me permettre d'obtenir une princesse. Et donc je vais lui retirer son système d'automatisation. Et ça sera un peu mieux. Donc si je prends ça, si je le retire, je vais la retirer son système d'automatisation. Je vais retirer tout ce qu'il y a dedans aussi. Mon coffre là d'abeille va commencer à être sérieusement plein. C'est normal, mais bon, le problème c'est que les drones ne peuvent pas se stacker ensemble. C'est un petit bug, ça quand même, c'est problématique. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin.
Ok, alors, donc on va faire notre dernière transition. Donc la Majestic Princess, elle est là. Et il me fallait un Noble Drone. Je ne sais déjà plus. C'est pas grave, c'est là. Alors, un Majestic Drone et une Noble Princess, c'est le contraire. Donc un Majestic Drone. Je dois bien l'avoir quelque part. Un Majestic Drone. Nickel. Et une Noble Princess ici, et je vais pouvoir faire le transfert en sachant qu'il y a déjà une Noble Princess qui me produit ces Dripping Combs ici. Et il faut savoir que tous ces fameux combs, hein, comment j'avais dit, des alvéoles, eh bien on peut en tirer quelque chose, mais on attend la centrifugeuse, c'est ça le problème. Alors hop hop, et on va faire une Imperial Queen, et on va produire ça. Voilà. Donc c'est assez rapide quand même là-dedans, puisque j'ai les nouveaux cadres. Mais les industriels, ça reste toujours beaucoup plus puissant, hein, faut le dire. Là par contre, j'ai aucune lifespan, alors que j'en ai partout dans les autres, ce qui serait bête. Je vais peut-être en retirer à une qui m'est pas vraiment utile. Là aussi, j'ai aucune lifespan upgrade. J'en ai pas beaucoup des lifespan upgrade finalement. Ici, c'est quoi? Ici c'est mes deux génératrices là, j'en ai énormément de miel par heure. Pourquoi j'ai retiré ça? C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais retirer peut-être les deux lifespan ici pour les mettre là. Pour les mettre dans celle-ci. Tac. Tac. Oui, c'est bien ça, c'est bien celle que j'ai vidée. Juste que je la vide encore une fois. Voilà, c'est parfait. Je vais pouvoir aller déposer ces drones-là. Je vais aller les déposer là-bas. Et on va se quitter, bien sûr, pour cet épisode-là. Je vais déposer un peu de trucs. Ça me rajoute de la mana, donc moi je prends, il n'y a pas de problème. Je commence à avoir plein de stacks. Donc, il est là. Hop, hop. La Imperial Queen, elle est présente, elle est ici, hop, on la met là, et on la fait produire sans le système de automatique, et du coup ça va être sympa. Alors comment on obtient la Royal Jelly, puisque j'en ai besoin pour montrer l'Imperial, d'accord, ça produit de la Royal Jelly, donc c'est bien ce que je me disais. Et ok, bah c'est parfait. Là, on est presque à la fin. Je pense qu'on va se revoir dans le prochain épisode. Donc, ça sera le 13e épisode de Let's Be Happy. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donc là, c'est un peu les épisodes. Voilà, bateau, on découvre un peu, on est un peu bloqué. C'est normal, hein, comme je l'ai dit dans un let's play. Tout à fait normal. Là, on va repartir du bon pied, étant donné que je suis débloqué. C'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire, enfin. Hein, me direz-vous. Et donc, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squeaks.